ce dauphin, le seul merci qu'on a des vous avez vu la course, ils sont trop de fond. Et à rien près, là, le monsieur a failli s'imposer dans la course au plat mythique qu'est le dernier somme. Il est arrivé deuxième, de faire passer, de son côté, Estelle en Angleterre, ça aurait été l'excellent du talent, notamment chez les deux ans. C'est pas attendu. Voilà, on revoit sur les images. Normalement, dans le sport, qui a la marge et qui vous donne de se faire prendre que dans la dernière seconde, surprendre, on pourrait dire, par son merci, vient à la croix, vient dessus, chipé à la croix, en tout cas, pendant la minute. Alors, un éclair, vous pourrez venir à la croix, mais courte tête. Bien sûr, à la bonne fois, si vous avez gagné dans la minute, vous ne pourrez pas être là, bien entendu. Mais il est là, bel et bien, devant vous, ce fils de Saint-Olswers. Voilà, le plus grand des talents de l'époque, on va dire, Saint-Olswers, le successeur, le meilleur successeur de son père, Marzon-Manser. Voici dans notre rapport, il est un meilleur, physiquement, il est très aimé par son père, Saint-Olswers, aujourd'hui disparu, phénoménal, producteur de tous les registres. Avec Saint-Olswers, vous pourriez faire aussi bien des deux ans que des spéculations, même des chevaux. La famille maternelle à la Canada est exceptionnelle puisque la mère est sœur de Alco Prada et Alpanora, propre sœur de deux ménages, deux de coupins que je viens de citer elle-même par sa conscience. Nous avons ici le neveu, mais peut-être que vous pouvez dire le trois quarts frère de Alco Prada et Alpanora, deux ménages de coupins, seul dame de sœur. La première méthode est éventuellement de la c'est plutôt gagnant par le triomphe. Ensuite, il a devancé Nicolas Zara dans lequel je l'attends, et il a justement remporté une Wimbledon et gagné son premier match devant Percival Jasper, qui est un choix dur. Troisième également, une prise fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ramon Monsieur a été à Londres dans un hara que je ne citerai pas, qui n'est pas tout à fait dans l'ouest de la région, mais